La parole est à monsieur Rudy Salle. Monsieur le Président, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, lorsque la République est attaquée, lorsque le lien universel qui nous unit est attaqué, la réponse ne peut être que dans plus de République. Car la voix de ceux qui prêchent la haine, cette haine qui mène au fanatisme, ne peut avoir d'écho que lorsque la République ne crie pas haut et fort son attachement à ses valeurs, que lorsqu'elle reste muette face au repli sur soi, aux amalgames, au communautarisme et à l'antisémitisme. Ces derniers jours, nous avons tous et toutes été choqués d'apprendre que des enfants dans nos écoles avaient refusé de s'incliner devant la mémoire des défunts. La démission serait la pire des faillites. Il est aujourd'hui vital que la République affirme de valeurs ses valeurs avec humanité, autorité et tolérance. L'école, pierre angulaire de la République, doit être de nouveau au cœur du projet républicain. L'école de la République doit accueillir ses enfants sur ses bancs, sans distinction de conditions sociales, de convictions ou de confessions religieuses. Elle ne doit plus tolérer que 150 000 jeunes la quittent sans diplôme et s'engagent dans l'impasse et dans la désespérance. Elle doit donner les mêmes chances à ses enfants d'accéder au savoir et constituer le premier rempart contre l'ignorance. L'école doit enfin être le sanctuaire de la laïcité. Une laïcité que nous devons défendre sans état d'âme face aux menaces qui la guettent, mais une laïcité de bienveillance, de réconciliation et non pas une laïcité de défiance ou de rejet de l'autre. Une laïcité qui soit à la fois un poing serré et une main tendue. Et je propose d'ailleurs qu'on lève les couleurs dans les écoles et qu'on apprenne la Marseillaise aux enfants. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement entend-il s'engager sur ce chemin sur lequel il nous trouverait le groupe UDI? Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Salle. Ce que nous ont montré les questionnements, les perturbations dans les salles de classe que j'évoquais à l'instant, et d'ailleurs qui parfois ont pris d'autres formes que des perturbations, qui ont été aussi des questionnements innocents, des questionnements ingénus venant d'enfants, ce que nous ont montré toutes ces interrogations, c'est que des valeurs républicaines qui nous paraissent absolument évidentes, comme la liberté d'expression, la laïcité, le rejet viscéral de l'antisémitisme, le respect de la loi et de l'autorité, ne le sont pas tant que ça pour un certain nombre d'enfants, de jeunes, d'adolescents. Et je crois que c'est cela aussi qui doit nous interroger aujourd'hui. Ces questionnements, ne nous leurrons pas, ils traversent l'ensemble de la société. Ces incompréhensions, cette théorie aussi du complot que l'on retrouve trop souvent parmi nos jeunes. Et il nous faut nous attacher à produire des réponses à la fois pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes. Et vous avez raison de parler de citoyenneté et de valeurs. Et vous avez raison de dire que c'est à l'école aussi qu'il revient d'assumer cette mission-là. Honnêtement, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je peux vous le dire, l'école n'est pas à la hauteur dans cette mission. Ça n'est pas faute d'enseignants de valeurs, d'enseignants qui souhaitent transmettre ces valeurs. Mais nous avons besoin de nous réunir, de nous mobiliser, de provoquer ce sursaut pour répondre enfin à la hauteur des enjeux. Et pour répondre, c'est vrai, la laïcité sera le préalable indispensable. La laïcité à la fois pour apprendre à nos jeunes à vivre ensemble, mais aussi pour se construire un esprit critique, une liberté de conscience, une liberté de jugement, l'art du débat contradictoire qui leur permettra ensuite de faire le tri entre ce qui relève de l'information et ce qui relève de la rumeur. Et c'est pour cela, monsieur le député, que nous accordons tant d'importance à introduire un enseignement moral civique à l'école, à former nos enseignants davantage, à leur donner davantage de ressources et d'outils pour les accompagner dans cette pédagogie. Merci, nous le répéterons au recteur que nous réunirons avec les préfets dans quelques jours avec le Premier ministre. Merci.